je n'invite jamais un musicien tout seul, j'invite un ensemble. C'est ça le principe. C'est plutôt une philosophie commune, un art de vivre, une manière d'envisager la musique et les qualités que ça génère. En fait, on choisit des gens professionnellement déformés, c'est-à-dire des gens qui ont les oreilles plus grandes que les yeux. Raphaël, c'est un chef d'orchestre de chambre. Il y a cette grande ouverture d'esprit, grande connaissance de la musique. J'essaie de donner envie aux gens de jouer, en fait. C'est pas spécialement d'imposer quelque chose. Le chef, comme disait mon prof, c'est celui qui fait semblant. Et pourtant, c'est vrai. Ce qui donne l'illusion de l'éternité du fond, c'est qu'en fait, il se développe toujours malgré tout. Faut pas poser, faut effleurer la corde et dès qu'on... Ça fait pas plus de bruit, mais ça donne envie. Mon rêve pour les forces majeures, c'est de proposer de la musique en partant du duo et en allant jusqu'à l'orchestre de 85 musiciens, allant vers l'improvisation, beaucoup vers la création, pourquoi pas vers le jazz et en allant vers le chant.